train de penser à un truc. J'ai parlé à une amie récemment et on se disait à quel point on est dans une société qui prône le toujours plus d'argent, travailler plus pour gagner plus, pour dépenser plus et pour jeter encore plus derrière. Et c'est cette quête incessante en fait de choses, de biens extérieurs qui soi-disant seraient là pour nous rendre heureux. Et je pense que c'est tout simplement un système qui est dépassé et que la plupart des jeunes d'aujourd'hui ont des aspirations complètement différentes. Et donc, à mon avis, c'est beaucoup pour cette raison aussi qu'on a du mal à trouver du sens en fait dans ce qu'on fait, dans les métiers d'aujourd'hui, dans ce qui est proposé comme métier d'aujourd'hui entre guillemets. Et moi, mon but par exemple au tout début, c'était vraiment de redonner du sens et des intentions dans mes actions quotidiennes en fait. Et pourquoi j'ai quitté mon travail, c'est parce que tous les jours je me disais mais qu'est-ce que je fous là quoi, à quoi ça sert, quel est le but de tout ça, enfin vraiment c'était quelque chose. Et je regrette pas du tout d'avoir quitté mon travail. Et évidemment, tous les jours, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Quelle est la suite, etc. Mais il y a une chose dont je suis sûre, c'est que j'ai pris la bonne décision. Et je suis pas du tout là en train de te dire que tu devrais quitter ton travail, etc. etc. Mais c'est juste cette espèce de mal-être qui est présent chez de très très nombreuses, très, très nombreuses personnes. Je le vois très bien autour de moi. Hein. J'ai quasiment pas un ami, une amie qui est heureuse dans ce qu'elle fait, quoi. Et je trouve ça assez triste. Et je pense qu'il y a vraiment un autre modèle à construire. Et qu'on est en train d'en voir un petit peu les esquisses. Mais on est encore loin du compte. Mais en tout cas, je suis contente de voir qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se reconnaissent dans ce que je dis. Et je pense que on a tous été conditionnés par la société, par nos parents, notre famille, nos amis, peu importe, à suivre une certaine voie, à faire telle ou telle chose dans l'ordre, entre guillemets. On a tous ces espèces de cases à cocher, de points à accomplir pour se dire qu'en fait bah, une fois que j'aurai fait ceci, une fois que j'aurai cela, je pourrai enfin être heureux, être heureuse. Sauf qu'en fait on se rend compte que c'est une quête sans fin et que la vie ça peut pas être que ça. Il doit y avoir quelque chose d'autre, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a vraiment encore des gens qui pensent que gagner plus d'argent et acheter plus de choses, ça va les rendre plus heureux? C'est une quête... une quête sans fin, avec des étapes toutes plus insatisfaisantes les unes que les autres. Enfin, je sais pas. Une vie de quête toutes plus insatisfaisantes les unes que les autres. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais peut-être qu'il y en a qui s'y retrouvent encore. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis je serais curieuse de savoir aussi qu'est-ce que vous faites dans la vie, quelles sont vos passions, qu'est-ce qui vous anime, quelle est votre vision du bonheur et qu'est-ce que vous faites au quotidien pour y parvenir. Je serais très heureuse de savoir. Depuis que je sais que mon bonheur ne dépend pas de mon environnement extérieur, je me focalise beaucoup plus sur toutes les pratiques qui peuvent me reconnecter à moi-même et trouver ce bonheur à l'intérieur. Puisqu'on sait que vraiment, pour construire un bonheur durable et viable,
sur le long terme. On ne peut pas se raccrocher à l'extérieur, à ce qu'on possède, à ce qu'il y a autour de nous, puisque notre environnement est changeant. Et perpétuellement changeant même. Alors que quand on a cet ancrage en nous, peu importe les circonstances autour de nous, on peut être au milieu d'une tempête, comme on dit. Si à l'intérieur, on connaît les outils et les pratiques qui peuvent nous aider à nous retrouver, on peut être heureux, peu importe les circonstances. Ça, c'est un peu le but ultime. Un peu ce que prêchent les moines bouddhistes en disant qu'en gros... Il peut y avoir la guerre autour de lui, le mec il est là en tailleur et il médite et rien ne l'atteint. Je suis consciente qu'on est très loin de tout ça. Mais l'idée c'est quand même d'instaurer, je pense, des pratiques qui peuvent nous aider au quotidien. Donc bref, tout ça pour dire quoi? Que je fais plus de yoga. Encore plus qu'avant. Non, vraiment tous les jours... Enfin, je vois la différence quand le matin, quand je me lève, quand je fais du yoga et quand j'en fais pas. Mon yoga est suivi d'une méditation. Donc en fonction du temps que j'ai, on va dire 15-20 minutes. Dans l'idéal, si j'ai encore un petit peu de temps, je vais noter dans mon carnet mes pensées, mes envies, mes réflexions. Peu importe, tout ce qui me passe par la tête, je vais l'écrire, je vais mettre sur papier. Et c'est des petites choses comme ça qui paraissent anodines et tout le monde en parle, mais vraiment quand on instaure ces pratiques dans notre quotidien, on peut voir la différence. Et je t'invite à penser, à réfléchir à un moment dans ta vie où rien n'était différent, entre guillemets, t'étais toujours au même endroit, t'étais pas parti en vacances sur une île... ou à l'autre bout du monde, mais t'étais vraiment satisfait et heureux. Et repense à ce moment-là et essaye de voir qu'est-ce qui avait changé à ce moment-là pour que tu ressentes ces émotions positives. C'était pas les circonstances extérieures, certainement. J'imagine que c'était pas les circonstances extérieures. C'était seulement, entre guillemets, ton état d'esprit qui était bon à cet instant T, et qui t'ont permis de profiter à fond de l'instant présent quand tu étais dans cet instant présent. Par exemple avec ta famille, avec tes amis, t'as passé un super bon moment uniquement parce que t'avais décidé d'être ici et maintenant avec les gens que t'aimes et être engagé dans une relation, une conversation, peu importe. C'est pas parce que t'avais acheté une paire de chaussures ou je sais pas, un nouveau smartphone, etc. Certes, ça aussi, on est d'accord, ça libère des endorphines. On est content sur le moment, mais ce bonheur-là, il est extrêmement éphémère quand on y pense. On a acheté un truc, on est content, on rentre à la maison, on le pose dans un coin et on pense déjà au prochain qu'on veut acheter. Alors que les vrais instants qui ont de la valeur dans la vie, c'est pas ce qu'on acquiert en fait, c'est des choses qu'on vit en étant présent. Et en fait, on a beau le savoir, c'est pas pour autant que ça devient facile. Et je pense que juste la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de se le rappeler régulièrement. Et de se dire qu'aussi cliché que ça puisse paraître, tout ce qu'on a, c'est l'instant présent. Et c'est pas en revivant des moments passés ou en visualisant, en se projetant dans le futur qu'on va être heureux. Donc en fait, il faut juste décider d'être heureux ici et maintenant et de faire le meilleur avec ce qu'on a, peu importe où on est. Et voilà quoi. A few moments later. J'aimerais bien avoir une espèce d'illumination, de révélation, de secret à te donner.
Mais je pense vraiment qu'il n'y a pas de secret. Je pense que le secret, c'est vraiment de s'écouter au maximum, de ne pas taire sa petite voix intérieure, de pas nier nos sentiments et nos émotions au quotidien, comme on peut le faire dans notre monde occidental. On est tous rapidement très entraînés par notre routine, par le travail, les obligations, la vie quoi. Et en fait, il faut juste prendre le temps de s'arrêter, de s'écouter, de le faire le plus souvent possible, de se reconnecter aux choses qu'on aime faire, aux endroits où on aime passer notre temps. Je pense que la nature, en tout cas pour moi, c'est un élément essentiel à mon bien-être et à qui me permettent de me remettre à zéro et de repartir du bon pied. Et vraiment ne pas se perdre de vue dans le process, quoi. C'est-à-dire que on n'a qu'une vie et il ne faut pas la vivre pour quelqu'un d'autre. Il ne faut pas faire les choses pour quelqu'un d'autre. Il faut vraiment faire ce qu'on a envie de faire et ce qui nous rend vivants. Et ne pas se forcer à être quelqu'un qu'on n'est pas et à faire des choses qui nous rendent pas vivants. Et c'est facile à dire, c'est très difficile à faire. Très peu de personnes arrivent à vivre cette vie, pleinement en tout cas. Mais l'important, c'est de vouloir essayer au moins. Donc, je sais pas, en tout cas, si t'as des conseils sur toi, comment tu vois la vie, comment tu fais pour vivre ta vie le plus pleinement possible et de la manière dont tu l'entends et de faire ce que tu as envie de faire, ce qui te passionne, ce qui te motive à te lever le matin. N'hésite pas à les partager avec moi, je serais ravie de les entendre. Moi, je suis toujours très curieuse et toujours en quête d'apprentissage, donc voilà. Si t'as quoi que ce soit à me dire, n'hésite pas, je serais ravie de l'entendre. Et voilà.